Bonjour à tous, voici l'exercice 3, brevet Amérique du Sud, novembre 2017. Donc on est au brevet de maths évidemment. On est sur un programme de calcul. Là, on va regarder un petit peu. On a Léa qui choisit un nombre, le multiplie par 6 puis ajoute 5. Julie choisit le même nombre, elle va lui ajouter 8, multiplie par le nombre de départ et soustrait le carré du nombre de départ. Donc là, Julie est un petit peu plus compliquée. Donc première chose à faire, c'est de faire un petit peu un tableau, en tout cas, de bien écrire correctement ce que Léa et ce que Julie font pour pouvoir après l'appliquer tranquillement. Pour bien résumer la situation, on va partir d'un nombre inconnu évidemment, un nombre x. Alors qu'est-ce que fait Léa? Donc elle choix de x. Ensuite, elle le multiplie par 6, donc elle fait x fois 6. Deuxième étape, elle rajoute 5, donc elle fait x fois 6 plus 5. Donc elle ici, au total, donc après, plus 5. Donc au final, elle a fait 6 fois x et elle a rajouté 5. Pour Julie, elle va choisir son nombre. Elle a choisi le même que Léa, donc choix ici du nombre x. Ensuite, elle ajoute 8. Donc elle va faire x, elle rajoute 8. Elle multiplie par le nombre de départ. Alors ça, c'est compliqué. Mais nous, l'avantage, c'est que notre nombre de départ lui a donné un nom, c'est x. Donc on fait x plus 8 multiplié par x. Et ensuite, elle soustrait le carré. Donc là, compliqué. Vous avez votre x plus 8 fois x. Et on fait moins le carré de x, c'est-à-dire x au carré. Donc voilà ce que fait donc Julie. Elle fait donc, alors je vais enlever ce qu'il y a en trop. Donc x plus 8 fois x moins x carré. Donc voilà nos deux formules. Alors on va les refaire après. À mesure pour ceux qui ont un petit peu du mal à établir des formules. Donc premier départ, hein, elles choisissent choix du nombre, choix de x, hein, c'est donc moins 3. Alors, quel résultat obtient Léa? On a choisi moins 3. Donc, on va refaire tout tranquillement, même sans utiliser la formule, puis après j'utiliserai la formule. D'abord si on fait le test, on est à moins 3. Donc Léa, elle va le multiplier par 6, donc elle fait moins 3 fois 6, elle obtient moins 18. Ensuite, elle ajoute 5. Donc elle fait moins 18 plus 5. Alors attention, ça fait 5 moins 18. Donc on obtient un nombre négatif. Et ça donnera 13. 18 moins 5, ça fait 13. Pour ceux qui veulent la faire avec la formule, on pose donc x égale moins 3. Et donc on calcule 6 fois moins 3 plus 5 qui donne moins 6 fois 3, 18 plus 5 et qui donne effectivement moins 13. Pour notre Julie, ici, on part de moins 3, on ajoute 8. Donc on est à moins 3 plus 8, attention, ça fait 8 moins 3, ça fait 5. Ensuite, on multiplie par le nombre de départ, donc on fait 5 fois moins 3. Pour l'instant, on est à moins 15. Ensuite, on soustrait, donc je vais repartir par là, on soustrait le carré du nombre de départ, donc on fait moins 15, moins le carré de moins 3. Alors attention, là il y a un piège. Le carré de moins 3, c'est plus 9. Donc ici on aura moins 15, moins ici le carré qui vaut plus 9. Ce qui fait moins 15, moins 9. Donc moins 24. Pour ceux qui vont utiliser la formule, donc on prend x égale moins 3. Et on va calculer donc x plus 8 fois x moins x carré. Ce qui donne moins 3 plus 8 fois moins 3, moins moins 3 au carré. Ça va revenir évidemment au même. Là, on a moins 5, plus 5 fois moins 3, moins moins 3 au carré, donc moins 9. Ce qui donne moins 15, moins 9, donc moins 24. Le résultat de Léa, 6x plus 5, qui doit donc être égal au résultat de Julie, qui est x plus 8 fois x moins x2. On a déjà expliqué au départ comment on a obtenu ça. C'est la partie délicate. Et on va donc résoudre. Ça fait donc 6x plus 5 égale à quoi? Ici, on développe. Alors là, très important le développement. On va donc distribuer ce x aux deux qui sont dans la parenthèse. On distribue par la droite. Ça donne x fois x, x2, plus 8 fois x, 8x, moins x2. Là, vous devez remarquer que nos deux x carrés s'annulent entre eux. Il me reste, j'obtiens 6x plus 5 égale 8x. Alors,
Il faut isoler x, c'est-à-dire mettre tous les x d'un côté, on va choisir la gauche, et tous les autres termes sans x à droite. Donc, ce 5, je vais l'enlever des deux côtés. Donc, je fais moins 5 des deux côtés, ça me donne 6x égale 8x moins 5. J'ai enlevé 5 de chaque côté. Et je vais enlever maintenant 8x de chaque côté. J'aurai 6x moins 8x égale moins 5. Il me reste à gauche, j'aurai 6x moins 8x. 6 moins 8, ça fait moins 2. Il me reste moins 2x égale moins 5. Il me reste à diviser par moins 2. Et donc, x est égal à moins 5 divisé par moins 2. Quand on a des nombres négatifs qui se divisent entre eux, eh bien on peut enlever les moins. Donc ça fait moins sur moins, ça fait plus sur plus. Il reste donc 5 demi. Donc ils doivent choisir, les deux élèves, ils doivent choisir donc x égale à 2,5, puisque 5 demi c'est 2,5. Donc ils doivent choisir 2,5. On peut vérifier si vous voulez pour Léa. Donc, elle prend 6 fois 2,5, ce qui donnera, donc 2 fois ça fait 5, ça fait 15, 15. Ensuite, elle rajoute 5, donc 15 plus 5, ça donnera 20. Julie, donc Julie, elle fait quoi elle? Elle prend son nombre, 2,5, elle ajoute 8. Donc, on est donc à 10,5. Elle multiplie par 2,5. Alors là, c'est plus difficile à faire. 10,5 fois 2,5. Alors on peut faire avec des fractions si vous voulez. Ça fait travailler les fractions. Ici, 10,5, ça fait 21 demi. 5, 2,5, ça fait 5 demi. Il me reste donc 21 fois 5, 105 sur 4. Et on va enlever le carré du nombre de départ. Donc moins 2,5 au carré. Donc j'enlève ensuite 105 sur 4. J'enlève le carré de 5 demi. Le carré donc. Qu'est-ce que c'est le carré de 5 demi? Donc, c'est le carré de 5 sur le carré de 2, ce qui fait 25 sur 4. Donc, 105 sur 4 moins 25 sur 4, ça fait 105 moins 25, c'est-à-dire 80 sur 4, et ça me donne 20. Donc, vous voyez, c'est ce qu'on retrouve. Pour ceux qui préfèrent les nombres décimaux, on fait donc 8 plus 2,5. Donc, on a dit 10,5. On multiplie par 2,5. Alors, là, on va aller doucement. Sans calculatrice, on multiplie d'abord par 2. 10,5 fois 2, ça fait 21. Plus 1,5 fois 10,5, ça fait la moitié de 10,5, ça fait 5,25. On obtient 26,25. Ensuite, on va devoir enlever le carré de 2,5. Donc, je vais calculer le carré de 2,5. Il faut savoir que 25 fois 25 fait 625. Donc, 2,5 au carré, ça fait 6,25. Donc, Julie, elle obtiendra 26,25 moins 6,25, ce qui donne 20. On obtient bien le même nombre. Voilà. Donc cet exercice est terminé, exercice plutôt difficile pour ceux qui n'aiment pas trop ce qu'on appelle l'algèbre. Vous avez ici donc des expressions avec x, il faut savoir développer et résoudre une équation ici qu'on appelle une équation du premier degré. Voilà, j'espère que ça vous a plu, à bientôt.